clairement, il va falloir mettre au courant maintenant de son niveau. Vous savez, car c'est l'heure, première position, Junior, merci de rejoindre. Thank you.
5 secondes. Et c'est parti, le départ de cette manche selon le CEB, moins de 24 ans. Et le hold shot, il est pour le porteur de la place numéro 26. C'est Père qui réussit à bien en tête. Et c'est parti au premier virage, c'est le porteur de la plaque numéro 2. Un petit peu pour Jordan Principo, hein. Il a réussi à virer en tête. Et c'est parti avec un nouveau très très bon départ pour le porteur de la plaque numéro 120, Franck Piquet qui réussit à virer en tête comme durant la première manche. Le vétéran, celui de Jean qui est au fond de cette troisième position pour le porteur de Bardot, quatrième place pour Bertrand Le Bouchman, 5 pour le porteur de la plaque numéro 7. Lui ravir cette cinquième position, en numéro 87, c'est bien sûr. C'est bien sûr. Pour nous, c'est passé. Allez, devant, pour une petite conserve. Il est parti là, c'est 5 là. Allez, les abeilles sont parties. Oh, et c'est parti pour le pilote de cette catégorie selon moi, le départ canon pour la plaque numéro 224. La plaque numéro 224. Ah non. Il faut retirer le bon retour. Le jeu, c'est la première position.
Le leader, c'est donc un premier tour en tête. Il s'agit de porter déjà une belle expérience sur l'homme qui occupe la deuxième place. Il s'agit de la Cantona qui a réussi à se trouver la deuxième position. Troisième place pour le numéro 1 et le 4 et la deuxième position. Merci de l'équipe. Le numéro 1 et le 4 et la Ah mais ça les bradasse dans tous les sens. Ah là ils ont les mains écrites. Le numéro 5, le numéro 6. Et c'est le 5. Ah non, passe pas devant le 3. 2. Ouais, t'as vu? J'ai compté. Alors moi, il y a le. Et le faire avec un parouti. Et c'est parti pour cette manche des grands juniors. Le chapeau, le porteur de la
la Kimi, on s'en va. Comment de faire la blague, mais il n'a pas trop d'ouverture. Vous avez, même si, voilà, on a vu, hein, durant les deux premières manches, que c'est très difficile pour la Papyrus 120 de suivre le rythme dicté par son adversaire, à voir si Florent Laplagne aura les ressources pour bien figurer pour son duel avec le numéro 888 tout au long. La plaine qui ressort toujours en tête, mais on voit que la barre continue de ressortir de son étreinte sur son adversaire. Le vainqueur des deux premières manches, toujours au contact pour essayer d'aller sur la plaine. Il se fait jouer par un dépassement. Moins de 5 secondes, et c'est parti. Bon, apparemment, c'est pas bon. Et le chef. La plaque numéro 289 qui met pour en scène le cheminier. Il y a des outsiders dans cette catégorie qui part devant Emery Silva, je l'ai nominé aussi. Ah ouais, encore, hein, c'est un but. On a pas mis sur la rue, on a des votes, et là, il y a une excellente sortie de rire. Je vais Thank you.
la course en tête, peut-être, la première place, 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 la première place